Ouais, non, là, clairement, je reviens de loin. C'est même un retour à la compétition un peu plus tôt que je ne l'espérais. Ben, en fait, j'ai eu une maladie auto-immune assez foudroyante qui s'est déclarée avec la thyroïde. Donc, c'était la maladie de basse d'eau, en France, c'est ce qu'ils appellent ça. Et à la suite de ça, j'ai fait une tempête thyroïdienne. Pas bon du tout. Et puis le traitement a mis quand même pas mal de temps pour faire effet. Je sens que c'est pas encore ça là. Depuis une semaine, je dors très très peu et très mal. Je sens que le rythme cardiaque est élevé. Donc voilà quoi. C'est un peu pourquoi j'étais là. C'était pour tester, jouer le plus possible et voir un peu où j'en étais physiquement. Donc voilà. Pour l'instant, je peux toujours jouer au golf. Donc ça va. Des doutes, oui, c'est certain, il y en a eu. Je dois avouer que les 4-5 premiers mois, je pouvais même pas penser à ça parce que je galérais à avoir une vie normale en fait. Donc là, le golf, c'était complètement secondaire, quoi. Mon souci principal, c'était de pouvoir retrouver la santé, pouvoir être un bon père pour mon fils, parce que c'est vrai que ça agissait beaucoup sur mes humeurs, tout ça. Donc c'est vrai que c'était plus ça mon souci pendant quelques mois. Maintenant, c'est vrai que depuis que je me suis remis à m'entraîner à 50%, hein, je fais plus les journées d'entraînement que je faisais à une époque. Je suis limité. Mais après, c'est vrai que quand je suis sur un parcours comme cette semaine et que je suis dans la compétition, c'est vrai que tout ça, j'y pense pas trop, quoi. Je suis vraiment dans le moment, à essayer de faire du mieux possible. Après, je suis loin d'être à 100%, mais bon, ça veut pas dire que je peux pas arriver à scorer et faire quelque chose, quoi. Du coup, retour à la case départ, c'est ça qui était surtout dur, c'est d'être tombé d'avoir cette maladie, se battre pour remonter, et puis derrière, c'est repartir à zéro, quoi. Donc c'était un peu dur au début, un peu j'avais du mal un peu à trouver la motivation. C'est vrai que de revenir et de retrouver la compète ces 3 dernières semaines me redonne un peu cette motivation que j'avais complètement perdue. Parce que bon, voilà, je m'étais quand même fait la Chine, j'avais quand même galéré pour arriver sur le Grand Ferry. Et puis derrière, j'avais vraiment une réelle chance et ça c'est voilà, c'est un peu on va pas refaire l'histoire, mais c'est comme ça, donc du coup maintenant il faut rebâtir un peu à zéro. Après être passé par ces moments-là, on se rend compte que bah, vraiment le golf c'est bien, c'est une passion, c'est un métier, mais je suis un mari, un papa, un frère, un fils avant tout, quoi. Et c'est vrai que On relativise pas. on relativise beaucoup la performance. J'ai à cœur de performer. Mais même une contre-performance ou quoi, c'est vrai que je passe beaucoup plus vite à autre chose Tu vends plus qu'à d'offres une mais plus époque. facilement. Bien sûr, parce que de toute façon, d'autant plus dans notre sport, on le sait, c'est tellement ingrat, il y a tellement plus de bas que de haut en général. Moi, rien que de pouvoir être là, de pouvoir jouer sous le par, m'accrocher, tout ça, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait. C'est quelque chose qui a été ma vie depuis de nombreuses années maintenant. Donc de pouvoir revenir et de reprendre la compétition, pour moi, c'est sûr que c'est un grand bol d'air frais, quoi.